Salut à tous et à toutes, c'est Nurgle, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode sur DayZ Standalone. Donc on continue notre aventure direction Electro. Donc j'ai passé une nuit dans les bois, un peu fraîche, mais ça va, ça a été plutôt calme cette nuit. Donc nous allons nous remettre en route. Donc je vous montre le stuff que j'avais pas grand chose, hein. J'avais trouvé une canette de bouffe, une corde, une saline dommage-aide, des allumettes, une flare et un t-shirt et un pick-ex, et voilà, pas plus. Donc nous allons nous remettre en route pour Electro, sachant que ben, ça a pas l'air de bouger ici. Donc nous allons continuer tout simplement notre aventure sur Electro. Alors je pense qu'on va croiser du survivant, je pense, mais voilà quoi, on va essayer de négocier, de parler, de rester le plus ambi possible, sachant que notre objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de rejoindre la station radio militaire de Tizzy Base. J'ai appris aussi qu'il y en avait une qui se situe à Green Mountain, qui est peut-être en fonction encore. Donc il faudrait qu'on aille y jeter un coup d'œil. Sachant que celle de Gorka, là on est un peu loin de Gorka. Donc est prisée par les bandits. Vous avez pu le voir dans les deux dernières vidéos. Il y a du monde à Gorka, c'est un passage. Les gens passent tous par Gorka. Donc voilà, une station radio. En fait, c'était une petite station radio, mais elle est vachement prisée. Je pense que sur Tizzy aussi, les bandits, je pense qu'ils l'ont pris. Ils l'ont pas laissé comme ça. Peut-être Green Mountain, on aurait de la chance, mais de toute façon, on va essayer d'aller voir. Et on va essayer de négocier tout ça. Si on trouve des survivants. Et voilà. Moi, je vais vous faire une petite ellipse, je pense, les amis. Et on se retrouve. Ah, il est cool. Ouh, ça tire. Ça, c'est pas très bon. Un coup de feu. Aïe, aïe. Je sais pas s'il tire sur des zombies, mais à mon avis ça m'étonnerait. Oh, il y a des voitures là-bas. Pas rassuré les amis. Regardez-moi comme c'est beau. Trop, trop beau. Bon. D'où viennent les tirs. On peut pas passer là. Allez. J'ai trop peur. Là-bas. Oh, dis donc. Oh, un sac. On va aller sur les maisons là à côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, j'ai faim. On va grignoter là.
Merci. Et un coup de feu, juste un coup de feu, donc à mon avis ça peut être sur un zombie. Ou à part s'il a one shot le gars, mais... Ça a été juste un coup de feu. Donc on va dire que le gars se défendait contre les zombies. Hein, on va dire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Oh putain. Là. Voilà. Nickel, on est bleu. Tout bleu. Je peux pas rentrer là. Ah d'accord. Je peux pas là. Ah si. Y'a rien. Je fais tout ça pour rien. Ok. Voilà, y'a pas grand chose cette fois. Je vais pas y chercher la merde parce que j'ai rien. J'ai pas envie de mourir. Donc là, je pense que ça va être il y a un zombie là. Il est rentré là. Sachant qu'il y a un hôpital là-haut. Tomber sur un fou et qui me trouve la peau quoi. Sachant que pour ceux qui découvrent ma série et ma chaîne, je joue en fait mon personnage comme si c'était moi en fait. Et on sait très bien que
zombie qui marche à côté. Ça me permet d'être pas. Il est là. Et ouais, je joue ma vie, donc, enfin, comme si c'était moi en fait, donc... C'est pour ça que je suis prudent, je fais pas même. Ça rajoute un truc un peu plus palpitant dans la série. Ok, bon, on va se barrer. Il n'y a rien du tout. Faudrait que je trouve un truc pour réparer mes vêtements. Pareil, quoique on va se le payer lui là. Oh merde. Reste là Jean-Louis. Et voilà. Je l'avais dit. On va laisser le payer. Allez mon grand. C'est pas sympa. Oh merde. Ah putain, je vais me faire détruire. Je vais me faire détruire. Mais bouge-toi! Bon, on va le montrer. En plus, il a bugué. Bouge-toi. Hey. What? T'es immortel, mon gars? Qu'est-ce que c'est, cette connerie? Wow, tout ce que j'y ai mis dans la tronche. Viens, maître. Il arrive. Je saigne. I'm bleeding. Vite. Amène-toi. Je vais me ralentir. Quand j'ai ouvert l'inventaire, j'ai cru que j'avais... Putain, j'ai plus de Rax. Il m'en reste qu'un. Là. Bon allez. On va essayer de trouver du stuff. Oh, j'ai peur de m'enganer dans la ville. Sachant qu'il y a un hosto là-haut. On peut taper l'hosto et s'enganer dans la ville après. Hein? L'osto il est là-bas. Oh putain. En plus je suis en plein champ à découvert. L'osto il est là. Oh putain. On va d'abord checker l'hosto. C'est quoi ça? C'est pas un... Ah si. Voilà, on a créé une saline. Ok. Okay, on s'en fout de ça. J'aurais bien aimé trouver une morphine. Ça aurait été sympa. Comment ça? Ça le fait deux heures. Oh, y'a rien à l'autre côté. Damn it. Il y a des gens qui sont passés là. Parce que ça a été évité. On va aller s'enganer un peu dans l'électro. Oh, un collègue.
bug de merde. Putain de merde. Vite, 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 ferme. Oh, j'ai plus de... Oh, là, c'est la galère. Des t-shirts, il faut que je trouve des conneries parce que là ça va pas trop le faire. Ils sont super violents ces putains de zombies. J'ai un mauvais pressentiment. Pourquoi? J'ai une petite lag là. On va refaire les voitures. Parfait. Je suis un peu éparpillé les gens, mais j'ai plus où donner de la tête. Il y a tellement de Z partout. Et ils font tellement mal ces enfoirés. Le fence là, on peut le prendre. Est-ce qu'on peut en faire des rags? Ouais, impeccable. Bon, on a des rags en gros. On va essayer de faire un tour au Comico. Une bouteille d'eau. Oh, je suis comment? Je crois que j'ai la cheville foulée en plus. On va aller voir ce qui se passe au Comico. On va se faire dessouder. Je vais m'annoncer quand même. Hello? Anyone? I'm friendly. I'm medic. Hello, I'm friendly. Un médic avec que des rats. Bon commencement. Hein. Au sol, mais y'a rien quoi. Okay. Bon, on s'en va. Pas rester longtemps là. Faudrait que je trouve à manger. Ouais, à manger, ouais. Je sais pas trop quoi faire.
fait, on a entendu un coup de feu, point. Y a pas eu, y a pas de... Le mec, il a dû tirer sur un zombie, je pense. Ouais, c'est un zombie. Y'a pas grand chose. Hein. J'espère qu'on va pas crever de faim. Ce serait dommage. Hein. Ici bordel. Et ils ont dépouillé électro les gars. Ils ont vidé électro. Il n'y a plus rien. Par contre, je suis très attentif au bruit de pas. Ça, tout le monde rentre. Putain, c'est fou tous les autres qu'il y a là. Yeah. Il y a un zombie enfermé dans la maison noire là. Putain, merde. Au bout d'un moment, il va falloir trouver à manger. Autre coup là. De l'enfermer là-dedans. Moi et les portes. Aïe, vous connaissez. J'ai réussi. Putain, je saigne à nouveau. Oh, c'est un calvaire. C'est un calvaire. C'est un putain de calvaire. De faim les gars et les filles. Alors, je sais qu'il y a des filles qui me regardent. On va faire des pommes hein. Je vois là l'arbre à pommes là. On va faire des pommes. Je pense qu'il y a que ça qui peut me sauver la vie. Parce qu'il y a vraiment rien à bouffer quoi. J'ai rien trouvé. Ah, j'ai trouvé quelque chose. J'ai rien trouvé. Oh là là. Je pense que on va tirer sur Tcherno. Là, ce que l'on va faire, là, on va aller direction sur la Fire. Après, on ira un peu sur la zone industrielle d'électro. Et je vous laisserai là, dans une maison. Je vais passer la nuit dans une maison. Et après on ira sur Tchernogorsk demain. J'ai trouvé quelque chose à nouveau. Ah. Les pommes ça fait du bien. Hein. Allez on y va. Donc on va aller vite fait sur la Fire. Allez là-bas.
trouver une hache, une grosse hache en fait. Dépecer à mon avis. Il y a des cadavres, il y a des zombies partout. Ouais ouais les gars. Faire un peu par là. Oh, okay. Non, en fait, j'ai fait le con. Encore une fois. J'ai fait le con encore une fois, pour pas changer. On va le faire rentrer. On va le faire rentrer. Et on va faire ça il me le faut. Y a rien les amis, mais vraiment rien. Ça devient assez terrible. Dans les wagons, il peut avoir des trucs. Merde. On m'a vu. Oh putain. Damn it. C'est la folie hein. Ne ralentis pas. Aïe. Vite vite vite, ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ah putain. En plus c'est une porte qui glisse donc le temps qu'elle se referme. Ça a été la folie sur cet épisode, les zombies. Oh putain. Ils sont infernales. On va vite looter. Pas bon du tout. Oh là là, ça a été fouillé de partout. Mais fouillé de partout. Damn it. Bon les amis, hein. Je vais vous laisser là. C'est dommage. Je vais pas trouver. Bon, on trouvera des pommes. On trouvera les pommes, mais. C'est chier de pas trouver des trucs plus consistants en fait. Allez, on va tracer. On va aller dans les manoirs là-bas.
non, ah non. Il y a pas maintenant. Ah non, il l'a enlevé. Si on fait tout, on en a pour 30 ans, donc il y a tellement de choses à voir. On va aller s'enfermer là. On va passer la nuit ici. Tranquillement. Voilà. On sera pas mal là. Là. Voilà. Ok. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, ça a été de l'exploration, hein, comme chaque fois qu'on démarre. Donc prochain objectif, ce sera Tcherno. On va se diriger tranquillement sur Tcherno, on a entendu un coup de feu, mais à mon avis c'était un coup de feu défensif, à mon avis contre un zombie, quelque chose comme ça, parce qu'on n'en a pas entendu d'autres. Et à mon avis, c'est le survivant qui a tiré. Ah ouais, Malex, it's painful, donc j'ai mal à la jambe. À mon avis, j'ai fait une entorse, donc bon, il va falloir trouver un peu de morphine, ou on va essayer de, sur le prochain épisode, de se faire une attelle, et voilà, pour soigner ça. Donc voilà, donc j'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur DayZ Standalone. Prenez soin de vous, c'était Nurgle, ciao à tous.